Aujourd'hui, jeudi 14 janvier, jour de réception de l'homme de Dieu, mais nous apercevons un élévateur, un grand élévateur. C'est cet engin qui va servir à déposer le groupe électrogène que le chemin du ciel a acheté au troisième étage. Au troisième étage de ce bâtiment, la chambre haute. Électrogène qui a été pris avec la société ADEMAT. Voilà. Il a été pris avec la société ADEMAT et ce groupe reste à être payé. Voici les éléments de cette société qui sont là. On va les interviewer quand même, leur poser quelques questions. Bonjour, monsieur. Monsieur Ladé, société ADEMAT, superviseur installation. La superviseur installation. Groupe électrogène. Groupe électrogène. Donc, ce matin, votre travail va consister à quoi? Parce que le chemin du ciel est allé auprès de vous pour prendre un groupe, je crois, de 66 KVA. KVA. Kilovolt-ampère. À kilo? Volt-ampère. Ampère. Ouais, c'est la puissance du groupe. Voilà. Ce groupe pourra alimenter, je crois, tout ce bâtiment. Tout ce bâtiment. Voilà. On compte tout le bâtiment. Quel sera aujourd'hui votre rôle? Aujourd'hui, déjà, on va livrer le groupe jusqu'au troisième. Jusqu'au troisième de cet étage. Jusqu'au troisième, oui. Jusqu'au troisième, on livre le groupe. On fait la manutention pour l'emplacement définitif. Après, on commence le passage du câble, le raccordement du groupe électrogène jusqu'à l'inverseur qu'on va poser non loin de la niche ici, CIE. La niche CIE. Voilà, le raccordement terminé. Après, on va passer le test. Au test de la mise en service du groupe. Donc aujourd'hui, ça sera l'emplacement. Voilà, aujourd'hui c'est la livraison, manutention. Et puis ensuite passage de câble. Passage de câble. Le câble de puissance. Voilà. Et cela va durer combien de temps jusqu'au fonctionnement normal du groupe? On a au moins 4 jours. 4 jours pour finir le groupe. 4 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Plus tard lundi, le groupe est opérationnel. Plus tard le groupe opérationnel. Est-ce que vous n'aurez pas de difficultés à déposer ce groupe à ce niveau-là? Non, en fait, on ne fait que ça, c'est notre spécialité. Votre spécialité. Voilà, on ne fait que ça, donc on est habitué. C'est un peu compliqué, mais bon, parce que nous sommes habitués, on a l'expertise, on a l'expérience de la pose de ces groupes électrogènes. Voilà. Est-ce que les églises, souvent, vous abordent pour prendre ce genre de groupe beaucoup. Donc, ce n'est pas une première. Ce n'est pas une grande première, c'est pas une grande première. Les églises nous approchent beaucoup. Cet outil, ce groupe électrogène, on en a pour combien de temps comme ça? Ça a duré le fonctionnement? Bon, ça dépend de comment le groupe est sollicité. Parce que ici, il sera utilisé en secours, en fait, de la CIE. De la CIE. Voilà, c'est quand la CIE n'est pas là que le groupe va démarrer. C'est sûr, le groupe l'a beaucoup sollicité. Bon, pour vous dire combien de temps, il faut que je comprenne bien parce que. Alors ici, si le groupe est beaucoup sollicité, sa durée de vie dépend des nombres d'heures de marche. Voilà, c'est le nombre d'heures de marche. Voilà, c'est le nombre d'heures de marche. Sa durée de vie dépend du nombre d'heures de marche. Et l'entretien. Et l'entretien. Ouais. Parce que nous, on voulait utiliser ça pour les samedis, pour les cultes de 6 heures comme ça à midi. Ouais, mais non, il n'y a pas de problème. Voilà. Normalement, la première vidange est à 150 heures et tout chaque 250 heures, il doit faire de la vidange. Si la vidange est respectée, jusqu'à 10 000 heures de fonctionnement, on fait la révision du moteur. La révision du moteur. Voilà, donc c'est la peine de payer un groupe électrogène, mais il faut passer d'abord par l'entretien. Par l'entretien. Tout élément même des véhicules, si tu ne l'entretiens pas, c'est détérioré. Donc il y a un entretien à faire. Il y a un entretien à faire périodiquement, sur ces appareils. En respectant le nombre d'heures de vidange. Et la maintenance, le contrat de maintenance sert à vous dépanner en cas de problème et de prévenir les interventions. Voilà. Oui, c'est ça. L'entretien, là c'est au compte de ADEMAT. C'est au compte d'ADEMAT. Non, en fait, on vous soumet un contrat. Un contrat, ça dépend. On a les contrats mensuels, on a les contrats bimensuels. Trimestriels. Trimestriels.
Voilà, ça va dépendre. Ah donc, on va signer ce contrat-là. Voilà, avec nous. Que chaque... si c'est un contrat trimestriel, chaque trois mois, vous venez faire l'entretien. Et tout ça, c'est en contrepartie d'un coût. C'est ça, oui, c'est ça. Qu'on doit prévoir à chaque fois. Oui, oui. Voilà. Quand vous êtes en contrat, l'avantage, si vous avez un problème, dès que vous appelez, vous êtes prioritaire. Ah, voilà. Si il y a une panne, vous signalez une panne sur le groupe électrogène, on intervient dans un délai de 2 heures maximum. De 2 heures maximum. On peut arriver bien avant. Au maximum 2 heures de délai d'intervention pour vous dépanner. Mais généralement, on intervient, puisqu'on est toujours dans les zones de Port-Boué, on est un peu partout à Abidjan. On a toutes des équipes un peu partout. Un peu partout, vous voilà. Appelez. Donc, dès que vous appelez, vous signalez, si on a une équipe dans la zone automatique, l'équipe est là au plus tard. En tout cas, on se donne 2 heures, mais généralement, on intervient avant 2 heures. Ok. Voilà. C'est là, ça, c'est l'avantage, ouais, d'être en contrat chez nous. Et puis aussi, on a les pièces de rechange. Vous êtes dépanné dans les délais, quoi, les plus brefs délais. Pour ne pas qu'on ait des interruptions. Ouais, c'est ça. Okay. Voilà. C'est ça l'avantage en tout cas d'être en contrat. On va visiter un peu votre camion, on va filmer un peu voir cet élévateur là. Cet élévateur, il peut emmener cette capacité, je crois, c'est 60 tonnes. 60 tonnes. Et puis élever 60 tonnes jusqu'à une hauteur. On peut élever jusqu'à une hauteur de 15 tonnes. Alors que ce bâtiment n'avait pas. C'est à peu près si on fait des 15. Ce bâtiment c'est 15 mètres. Ouais. Alors que tu peux envoyer jusqu'à 20 mètres. Et le groupe c'est pas grand, c'est 1,5 tonne. Ah, le groupe est 1,5 tonne, alors voilà. Tu peux soulever 60 tonnes. 60 tonnes. Ah, ce sont les bons enseignements. Alors Thank you.
en dessous de... Donc je dois aller me mettre l'autre côté là-bas. Tout droit, c'est bon, tout droit.
Vient d'être voilà l'agenda t'as des matchs parce que les vacances. Groupe de 66 Kavia. Kavia. Anadol. La prise française Adimat qui vient d'être déposée à la chambre. Même ça, mais il pour envoyer. Vous entendez les cris des agents d'ADEMAT, les techniciens, sont chargés de poser ce but. Le groupe électrogène qui est déposé par la société ADEMAT, une société française, un groupe qui prend 180 litres si on doit l'utiliser de manière continue. Il faut prévoir 180 litres pour l'utilisation. 180 litres. Un grand groupe de 66 Kavia pour alimenter tout ce bâtiment à chambre haute. Donc comment il sera utilisé? C'est avec du gasoil. Voilà, c'est avec du gasoil en intermittence avec le courant. En cas de coupure du courant, parce que il y a eu une panne technique au niveau de la cité Sipi qui a plongé tout le quartier dans le noir pendant 3 jours. Et c'est ainsi que Dieu a fait grâce de ce groupe-là. Dieu a fait grâce de ce groupe. Donc, c'est un groupe qui reste à payer puisque ce sont les bonnes volontés qui ont donné ce groupe. Là, il reste maintenant à payer. Et je sais que le chemin du ciel est capable de contribuer pour solder ce groupe. Ce groupe qui vient d'arriver. Voici un peu, peuple de Dieu, le groupe électrogène. Vous ne serez plus dans le noir. Vous n'aurez plus besoin d'être dans l'angoisse quand le courant de la CIE sera coupé. Parce que Jésus a prévu maintenant un groupe pour vous. Vous alimenter de manière continue. Que les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu avance. En Dieu, il faut faire de grandes choses, de grandes œuvres. C'est en cela que nous devons hériter le royaume des cieux. Et c'est à travers nos œuvres. C'est nos œuvres qui nous accompagneront au ciel. Et ça, c'est, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Et que Jésus se souvienne de nous. Parce qu'au travers de ces gestes, ses enfants seront toujours dans la lumière. Seront toujours dans le recueillement, dans la prière, avec une lumière abondante. Que chacun prenne sa part de bénédiction. Soyez bénis et à très bientôt.